coup, donc je vais vous montrer la deuxième partie. Désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière, le temps. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. J'ai trouvé des boucles d'oreilles. Ça fait 99 centimes. Donc j'ai pris celle-ci pour une copine. Je ne sais pas qui c'est. J'ai trouvé celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai repris les pinces élite comme ceci. J'ai trouvé les pinceaux à 75 centimes comme ceci de la marque Simply Beauty. C'est ce qu'on trouvait dans les closers. Donc j'en ai pris 4. Pardon. J'ai pris des pinces comme ceci. J'ai pris une palette comme ceci. Je sais plus si vous l'avez montré à 1,99€. La montrer quand même. Donc, je sais pas si je vais la garder pour moi. Il y a un miroir. Je sais pas si je vais la garder pour moi ou elle ira dans un concours. Voilà. Ensuite, j'ai repris des pinces comme ceci. Pour 99 centimes. Désolée pour le bruit. J'ai trouvé des boucles d'oreilles comme ceci. Donc, je sais pas si je vais les garder pour moi ou pas. Encore la même palette. Et je crois que c'est la même encore. Donc, ça ira peut-être dans des concours. Ensuite, j'ai trouvé des produits Revlon. Donc, j'ai trouvé de Revlon à 3,99€ un fond de teint. C'est le 24 heures Colaster. Colaster. Là, 4€. J'ai trouvé des gloss comme ceci à 2,99€. Donc, si vous voulez les swatchs, je peux vous les faire dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai trouvé les Colaster aussi à 2,99€ comme ceci. Et c'est le 40 Shanghai. J'espère que vous arriverez à voir. Voilà. Et le fond de teint, je l'ai pris en teinte. Beige naturel. J'ai pris celui-ci. Toujours à 2,99€ et c'est le 0,45 New York Sen. J'ai trouvé un rouge à lèvres comme ceci et c'est le 0,97 Designer. Toujours à 2,99€. J'ai trouvé un Colorster Gel Envie. Un rouge comme ceci. Il n'y a pas de teinte. C'est le 615 Gambling Ear. Donc à 99 centimes. J'ai trouvé celui-là. Donc c'est un marron avec plein de paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir. Et celui-là, c'est le Fresh Roast 210. Un rouge tout simple et c'est le 120 Red Carpet. Encore un gloss, celui-là il n'y a pas de teinte. Snow Pink, c'est Rose Neige, 2,99€ comme ceci. Celui-là c'est Tempête de Sable. J'ai trouvé un vernis Winnie comme ceci. C'est le bleu, c'est le 0,45. C'est un bleu violet à 85 centimes. Dans un concours ou dans un swap, à voir.
un vernis bleu, c'est le l'analagon, un bleu comme ceci. Ensuite, un rose comme ceci, c'est le 261 Sparkling. Ça a été à 99 centimes. Voilà. J'ai pris le Shechel Sand. Comme ceci. Un autre rouge à lèvres comme ceci. Peut-être dans un concours. Ensuite, j'ai trouvé un autre vernis, c'est le 150 Cayenne, comme ceci. Un autre gloss, celui-là, c'est le Surnaturel. J'ai trouvé tout ça de comment ils appellent ça, Color Boost, donc le 110 Coquette comme ceci, celui-là c'est pareil. J'ai pris plusieurs, donc ça ira dans des concours. Le 010 Darling Cherry comme ceci. On a pris plusieurs, je crois. 3. 110, c'est bon. Et j'ai trouvé le 135 Provocateur Femme Fatale. Donc, comme ceci. Donc un rouge. Hein. Désolé, on voit un peu orangé. Donc voilà pour Revlon. Peut-être dans les autres sacs, je dois en avoir. Ensuite, j'ai trouvé un de Béranger Makeup. Un comme ceci à 1,75€ avec plein de paillettes comme ceci. Et c'est le Bleu Splatch numéro 21. Ensuite, j'ai trouvé pas mal de crèmes pour les mains de la marque Beauty Formula. Donc, le cranberry, le ambre, c'était 99 centimes les crèmes, et le rose, à la rose. Donc j'en ai pris plusieurs, c'est dans un concours. Ensuite, dans un autre sac, hop. Ça comme ça, j'ai trouvé des chaussettes Piu Piu à 99 centimes avec... bonhomme de neige. Trouver les mêmes comme ceci. J'ai pris un mini vernis de Béranger à 1,75€, c'est le rouge passion. J'ai pris de l'huile essentielle Eucalyptus qui était à 1,99€ de marque Urochrome. J'ai pris des nouilles de Knorr Carbonara à 40 centimes. J'avais vu ça dans la vidéo. Je crois que c'est les trouvailles de Virginie. J'en ai pris plusieurs. Les Carbonara. Champignons. Je crois que c'est plutôt des trucs cela. Hop, excusez-moi pour le bruit. Bon, encore une culotte. Une deuxième. Désolée, je tire les nouilles. Hein. Ensuite, du petit olivier, j'ai trouvé un masque visage à 2,50€. Donc je crois que j'en ai pris deux. À 2,50€. Donc il y en a un peut-être dans un concours. J'ai de retour retrouvé de la marque Revlon. Là, c'est le Photo Ready. 4€. Et je l'ai pris en golden beige. J'ai trouvé
de la marque Elsafe Color Vif. C'est un shampoing. Je peux colorer mes chais. Ceci, j'ai payé 1,70€. Ensuite, j'ai repris un autre fond de teint, c'est naturel. Al naturel à 4€. Des Revlon toujours. J'ai trouvé des petits chocolats comme ceci par 3 qui étaient à 30 centimes. Donc c'est crème brûlée. J'ai trouvé des canettes de Charlie's à 69 centimes. Celui-là c'est orange, mandarin et menthe. Et celui-là c'est black currant, açaï et menthe. Voilà. Comme ceci à 69 centimes. Ensuite, j'ai retrouvé des derniers Revlon. Celui-là, c'est le Sparkling. Je l'ai repris pour une copine. J'ai trouvé un vert comme ceci. C'est le Apple Timmy Fizz. Il est à 99 centimes. J'ai repris un bleu. C'est le Lana Islagon. J'ai pris le 240 Impulsif. C'est un mauve. Ensuite, j'ai trouvé en duo, c'est les Moon Candy à 99 centimes. Donc, cette couleur-là, pas la couleur. Non, il y a avec les paillettes de l'autre côté. Et ensuite, j'ai trouvé deux Jumbo comme ceci, c'est les Color Stay Smoky. Donc il y a un côté où c'est doré et un noir. Et l'autre côté c'est argenté et noir. Il n'y a pas de teinte. Hein. Donc, voilà. Qui est à 82,99€. Ensuite, dans un autre sac. C'est celui-là. Ouais, donc, je pense que les deux, ça sera en deux parties. Déjà, la première partie, je crois que j'ai déjà filmé. Ça, non. J'ai pris des rasoirs à 1,65€. J'ai repris un shampoing de L'Oréal Elsève à 1,70€. Et cette fois-ci, j'avais trouvé l'après-shampoing à 1,71€. J'ai trouvé de Terre d'Orléans un gant de savonnage à 1,50€. Donc on va tester. J'ai trouvé des trombones de Noël avec des pères Noël pour mettre dans mon agenda. C'est 1,50€ moins 60%. Des petites bottes comme ceci à 2€ moins 60%. Des stickers comme ceci, pareil. Ça de l'Auberger Shop de pommes grenade, j'ai trouvé un bain moussant à 99 centimes. Voilà. Ensuite, c'était Addict Amy, je crois, qui parlait de cela. C'est à Creative Color qu'elle avait trouvé aussi. Comme ceci. Donc, je les ai pris, ils étaient à 1,50€. Ils étaient tout seuls. Donc, je me suis dit, je vais les prendre comme Addict Amy. Encore une carte de vœux. Les biscuits de mon enfance et des animaux, qui étaient à 99 centimes. Et je regarde toujours les dates de péremption aussi. Ensuite, c'est Addict Amy qui en parlait dans sa vidéo. Elle avait trouvé des parfums MTV. Celui-là, c'est Electric Beer. 2,50€. En bleu et le même en rose aussi pour femme à 2,50€ aussi. Ensuite, j'ai trouvé un coffret Dove avec une huile sublimante et un lait hydratant. Donc pour
9 euros. Un coffret comme ceci avec la pochette. Donc super sympa la pochette et pouvoir la réutiliser. Donc super. Bon, encore une culotte. Je vais pas montrer mes culottes. J'ai trouvé un chiffon microfibre antistatique à 60 centimes, 59 centimes. J'avais retrouvé un brillant de Revlon, c'est le Strength Height et c'est le 130 Inflamme, comme ceci. J'avais trouvé de la marque Golden Rose, on est comme ceci, je sais pas, c'est le 43. J'avais pris le 100 à 50 centimes. J'en ai pris plusieurs, donc je pense que je les mettrai dans un concours ou j'enverrai à des copines. J'ai pris le 22, le 40. Golden Rose, je crois que c'est une marque qui se trouve sur internet aussi. Le 15, le 45. Encore, je crois, je vais les montrer. J'ai trouvé aussi une lime à ongles comme ceci à 75 centimes. Une lime à ongles, une râpe pour les pieds. Et pour les vernis, le 103 et le 46. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Et la bonne affaire, j'ai vu des palettes de la marque Technique. Donc, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait 3 de chaque. Donc, du coup, moi, j'en ai pris 2 de chaque parce qu'une copine les voulait. Il y avait celle-ci. Donc, ils étaient à 3 euros. Comme ceci. Je vais vous les ouvrir. J'en ai pris 2 pour une copine. Comme ça. Hop, voilà. Comme ceci. La deuxième, j'ai pris 2 comme ceci. Voilà. Désolée pour le bruit. J'en ai pris 2 roses comme ceci. Ça ressemble aux palettes un peu W7. Ça sent les teintes marron. Donc j'en ai pris 2. Voilà pour ce sac là. Ensuite, l'autre sac. J'ai pris une boîte comme ceci, oiseau, à 1,50€. 99 centimes. C'est pas la même marque, je crois. Là, c'est la marque Prima. Et là, c'est Trot Ego, comme ceci, qui était à 99 centimes avec des chaussures. Ensuite, j'ai repris des petites bottes comme ceci à 2 euros moins 60%. J'ai trouvé des petites chaussettes comme ceci, jaune fluo, à 50 centimes, alors qu'à l'origine, ils valent 4,95 €. J'ai trouvé de Madame Sodim, j'ai pris en taille M, c'est un trading à 4,99 €. Ceci, je pense qu'il vaut plus cher en magasin. Je sais pas le prix. Et en fait, sur le côté, c'est. Je sais pas si vous allez voir. Non. Non. C'est de la dentelle, mais c'est couvert en dessous. Donc pour 5 euros, voilà. Ensuite, j'ai pris des étoiles comme ceci. J'ai pris des briquets à 75 centimes. Des petits sapins et des étoiles à 75 centimes. J'ai
J'ai pris des petites chaussettes avec le petit bonhomme dessus à 99 centimes. Enfin, c'est ça. Comme ceci à 99 centimes. J'ai pris un paquet de petits anges à 50 centimes pour ma petite Lodi, donc ma petite maman de cœur. Ensuite, de la marque Vibo à 65 centimes. Un vernis comme ceci. Voilà. Un petit baume à lèvres de la marque Weibo, toujours à 65 centimes. Donc il n'était pas ouvert. Hein. Un vernis de la marque Technique, comme ceci, à 99 centimes. Et c'est le BQ6602. Voilà. Toujours de la marque Weibo, un vernis bleu comme ceci. Toujours de la marque, retrouvé de la marque Golden Rose, il est à Canary Vipo, 65 centimes, Golden Rose, et c'est le 38. Le 21. Désolé, je n'ai pas de vernis non plus aujourd'hui. Le 22. Donc, je pense qu'il y en a qui remontent des concours. Ensuite, de la marque Technique. Un coffret de vernis comme ceci à 5,99€, donc 6€ le coffret, donc avec des vernis que pailletés. Voilà, donc super sympa. J'ai pris un petit sticker comme ceci avec des couronnes, j'en ai pris 3 paquets et un avec les châteaux derrière. Donc une copine lui enverrait quelques-uns. C'est du scrap. Ensuite, j'ai trouvé des Liquivisia de Haribo à 60 centimes. Bonbons réglisse. Ceci. Encore un vernis Weibo. Celui-là. Il a pas de teinte. Hein. 65 centimes, c'est un comme ceci avec des reflets normalement. Moi, j'ai plus beaucoup de lumière, donc voilà. Ensuite, il y a encore un rouge à lèvres de la marque Technique. Et celui-là, c'est le 206-02, le Popsicle. Cette couleur-là, avec des paillettes. Toujours Weibo à 65 centimes. Un vernis rouge comme ceci. Voilà. De la marque BC. Ouais, c'est ça. Un vernis à 80, un rouge à lèvres à 99 centimes. Cette couleur-là. De Weibo à 65 centimes. Un vernis marronné avec des paillettes. Un Golden Rose le 43. Un vernis de la marque Technique en rose comme ceci à 85 centimes. Des petits anges comme ceci à 1,50€. Deux boîtes, une pour moi, un avec des anges pour ma copine Loli et un pour moi. À 85 centimes, un vernis bleu comme ceci. Un baume à lèvres à 65 centimes comme ceci, encore de la marque Weibo. Un autre rouge à lèvres à 99 centimes comme ceci, de la marque BC Cosmétiques. Un vernis rouge à paillettes comme ceci à 85 centimes. Ensuite, j'ai trouvé ceci pour une copine. Des cartes. Des stickers pour une copine. J'ai trouvé deux pour de la marque Lovely. Donc à 65 centimes. Je vous ouvrirai. Comme ceci, c'est des illuminateurs, je pense. Donc j'en ai pris deux, une pour moi et une pour une copine. J'ai trouvé un gloss de la marque Technique comme ceci, 99 centimes.
pris des petits anges comme ceci à 1,20€. Et celui-ci pour ma copine Laurence, ma Loli. J'ai pensé à toi avec les anges. Ensuite, j'ai pris deux pochettes comme ceci, 1,50€. On en a un sac et paquet, il doit en avoir une trentaine. Ceci pour ranger les documents, c'est super. Donc maintenant, on va passer au dernier sac. J'ai trouvé les Wonderella. J'ai plus le prix, par contre. Les trouvailles de Virginie en parlant, c'est le gâteau de Dr. Oetker qui s'appelle Paula. Donc, de 4 quarts, donc 85 centimes. Donc, il y avait celui-ci, chocolat et flan à la vanille. Et le, comme ceci, le blanc et noir encore. Donc, j'ai pris un de chaque, avec 85 centimes. J'ai trouvé des chaussettes Lotto 3 paires pour 2,49€. J'ai trouvé de Magnum le double chocolat 3 barres 2€, comme ceci. J'ai trouvé des vernis Dedona, comme ceci. En rose, c'est le 17. NL17. Le NL3. C'est un vert un peu canard. Et un orange fluo, il est à 50 centimes. Et celui-là, c'est le NL16. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un coffret de Hedric de Varins comme ceci à 5€. Ceci, le parfum normal et parfum de sac. Donc, super. Ensuite, je vais sortir. Ensuite, j'ai retrouvé des boucles à 99 centimes. Un petit strass carré comme ceci. Des petits strass comme ceci. Des petites roses. Des petites fleurs comme ceci. Des petites boules bleues. Des petits pieds avec des strass bleus. Des petits pieds avec des strass roses. Et des petites fleurs comme ceci. Voilà. Ensuite, voilà, on arrive à la fin. Ensuite, j'ai trouvé de la marque Wickford Eco, donc des bougies, donc la Winter Vanille. Il était 1,48€. J'ai trouvé la Mulled Win, toujours 1,48€. J'ai trouvé la Apple Cinnamon, donc ça a sûrement bien que candle. Et j'ai trouvé la Christmas Épices. Voilà. Donc voilà pour mon haul. Donc je voulais faire en deux parties. Donc je vais mettre la première partie avant et celle-ci après. Donc vous verrez en deux parties. Donc je pense qu'ils sont longues. Et j'en suis désolée. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.